Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous ai épargné le bitume. Par contre moi je m'épargne pas. Je commence, bon on verra sûrement rien, mais par un mur dans la forêt derrière. Donc je l'ai déjà fait une fois. C'était il y a longtemps. La plupart du temps je le descends. Bon on verra. Je vais quand même y aller de toute façon, ça fait partie du jeu. Et ben c'est parti. Here we go! Bon, on va prendre la droite, c'est plus raide, mais c'est moins accidenté. Allez, rase bien sur la crête ratée. Ça glisse. Allez, ça. Même à pied, j'y arrive pas. Je vais essayer. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez. Comme d'habitude, on voit pas, mais c'est pas grave. Moi je le sais, moi. Ah bah oui, c'est sympa en plus. Oh, c'est joli. Attention le guidon. Ah, c'est bon ça. Bon, une autre grimpette. Alors, ce parcours s'appelle Best of Verrière. J'ai trouvé ça sur Utagawa. Je me souviens plus du nom du gars qui l'a posté, désolé. En tout cas, j'espère que son best of à lui, c'est pas que des montées. One eternity later. On y est. Bon, il est où le chemin? Oula. Aïe la tête. Ah il est là. Il est là. Bah ça y est, je suis plus perdu. Voilà un peu tout. Hop là. Comme ça. Oh. La remontée est raide. Est-ce que c'est bien? Ça a l'air, ouais. Ouais, je crois que je l'ai déjà fait il y a longtemps. C'est vraiment le coin pour s'amuser. Bon, vous inquiétez pas, moi je longe le chemin. Je vais pas là-dedans. Parce que ça tire. Allez, c'est parti. Normalement c'est sympa ici, un petit caillou, s'entraîner, aller laisser vivre le vélo en dessous. Allez vas-y, le plaisir sur le vélo n'empêche pas la politesse. On en est que mieux vu, en plus. Ouais, il est chaud. Regardez-moi ça, la taille de la bosse. J'ai pas les capacités de ces trucs-là, moi. Ça fera une que dalle ici, c'est que de la feuille sur 20 cm. Pouah. Une belle montée vers un pylône électrique tout moche. Et voilà, le pylône tout moche.
Et encore une côte de la mort qui tue. Le sol se dérobe sous mes roues. C'est pas possible. Il n'y a aucun grip. Voilà, c'est que la merdasse comme ça, regardez. Il n'y a rien qui tient, mais même les gros cailloux. Je me cherche pas d'excuses. Je pense qu'il y en a qui sont capables. Je dis juste que c'est pas facile. Allez, on repart. Oh, depuis tout à l'heure, c'est que des montées. Pas des petites en plus. Allez. Bon, je vais aller vomir là-bas. Et je vous reprends. Oh la vache! Il y a tellement de feuilles. Aucune adhérence de rien du tout. T'en chies dans les montées. Et tu serres les fesses dans les descentes. Il y a je sais pas combien de feuilles là d'épaisseur, mais c'est vraiment compliqué. Ouh. Carcasse de bagnole. Normal quoi. C'est fou. Mieux d'ici, enfin je crois qu'il faut déjà l'amener. Les gars qui reculent sont plus au milieu de la descente, normal. J'ai pas trop. J'ai passé perdu. J'espère que moi non. Si c'est bon. Parce que moi, je la remonte pas celle-là. Ah, depuis tout à l'heure, ça fait que monter. C'est un truc de ouf. J'ai plus l'habitude. Je suis déjà venu ici, hein, mais je me souvenais que ça piquait. Et ben, mes jambes, maintenant, elles se souviennent aussi. Mais ça fait du bien. Bonjour. 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 Je vous prie. Ça fait travailler le statique. Laissez passer les collègues. Alors ici, je suis déjà passé. Il y a un bout de temps. Je sais pas si vous reconnaîtrez pour ceux qui suivent régulièrement. En plus, là, toutes les feuilles tombées. Pas évident de reconnaître. Oh, c'est mou. Hop là. Des trous. Oh, ça pique les jambes, même genre de truc là. Faut toutes les monter. Ouh. Eh, vous attendez la nationale? Qu'est-ce qu'on est bien ici pour prendre un petit goûter? Je viens de voir passer un élec comme une fusée là. Tricheur va. Bon bah, en tout cas là on en est à 22 km seulement, il m'en reste 15. Et j'ai vraiment les jambes en feu. Alors je sais pas si c'est une baisse de forme ou si c'est juste parce que ça grimpe fort. En fait toutes les côtes c'était des murs quoi. Donc mon corps il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Voilà, bon, allez je me prends ma petite compote et puis on repart. Découpe toute la forêt ici aussi.
Et voilà, c'est au milieu de cette petite clairière et avec cette jolie maison pleine de lierre que s'achève cette vidéo. Je viens de voir le premier rayon de soleil de la matinée. Malheureusement, le temps que j'appuie sur le bouton, c'était déjà parti. Donc, Verrières le Buisson aujourd'hui, on en est à 420, donc ça va faire un petit 440 de D+. C'est pas tant que ça. J'ai les jambes explosées quand même avec tous ces murs. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, comme d'habitude, je pense pas, mais c'est pas grave. En tout cas, mes jambes, moi, me disent que ça a grimpé. Après, c'est peut-être une journée qui a une petite forme aussi, ça peut s'expliquer, ça arrive, il y a des jours avec, il y a des jours sans. En tout cas, c'était une bonne sortie avec plein de petits singles. Alors, une partie que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Donc, merci encore à celui qui a posté ce parcours sur Utagawa. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !